We can shine in a crowd, we never hesitate. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tu connais les bails. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons tout simplement réaliser une nouvelle arme de Fortnite. Enfin, nouvelle, on la connaît déjà pas mal. Parce que oui, les amis, on va tout simplement réaliser le petit pistolet de Fortnite. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais le petit pistolet alors que je pourrais faire n'importe quelle autre arme. J'ai décidé tout simplement, mesdames et messieurs, de créer un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Ce nouveau concept s'appellera Fortnite 3D. Et on va essayer de tenir un rythme de une vidéo par semaine pour ce nouveau concept. Et pourquoi pas faire gagner de temps en temps un objet quel qu'il soit en 3D. Donc les amis, je compte sur vous pour me faire péter cette barre de like comme jamais vous l'avez fait de votre vie, hein. Et à me mettre en commentaire dès maintenant tout simplement un objet Fortnite, que ce soit un skin, que ce soit une arme, que ce soit une pioche, que ce soit n'importe quoi que vous voudriez qu'on fasse en 3D plus tard. Et n'oublie pas de partager un maximum la vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Skyrock, sur YouTube. Enfin bref, on va commencer, c'est parti. Après ces deux impressions totalement réussies, voici les deux parties de l'arme, la famille. Alors ça, c'est la première partie, hein. Et voici la deuxième. Comme vous l'avez compris, c'est deux parties totalement les mêmes, mais qui différencient tout simplement par un mode miroir. Ce qui permet que simplement, si on colle les deux parties, nous aurons l'arme de Fortnite. Pour ceux qui s'intéressent à cette impression 3D, il y aura tout simplement le lien de la modélisation dans la description. Avant de coller ces deux parties, nous avons tout simplement quelques petites peintures à faire. Et pour cela, je vais vous inviter dans une partie de ma maison que vous avez encore jamais vue, c'est-à-dire mon salon. Allez, c'est parti! Mesdames et messieurs, alors du coup on se retrouve tout simplement dans mon salon. Alors les amis, ici on se retrouve là où j'ai geeké pendant des années sur la télévision et sur la Wii, ainsi que les consoles qui sont au-dessus maintenant. Et c'est aussi ici qu'on va tout simplement faire des nouveaux tests tout simplement pour tout ce qui est objet high-tech, etc, etc. Alors les gars, j'ai été retrouver la peinture au fin fond du placard. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé aussi? Ce bon vieux joujou qu'on n'en parle plus du tout. Pour pouvoir peindre ce gun-ci, il me fallait cette grosse boîte. C'est parti pour le moment peinture. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't give it up without a fight. Non mais regardez-moi ça. Non mais la famille, c'est juste extraordinaire. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the cloud. Alors premièrement, je remercie tout particulièrement ma mère qui m'a permis de pouvoir rendre toutes ces finitions du pistolet juste extraordinaires. Le temps que moi j'étais en train de cadrer, on va pas se le cacher, il est vraiment super lourd ce gun. N'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo pour remercier ma mère de m'avoir un petit peu aidé. J'ai plein de peintures sur les doigts. Et la deuxième particularité de ce pistolet, c'est qu'on peut tirer avec, les gars. Vous me croyez pas? Regardez bien. Toi aussi t'as aimé la vidéo et que tu veux d'autres vidéos dans ce genre, n'hésite vraiment pas à liker un maximum et à commenter comme pas possible. À me dire dans les commentaires quel objet Fortnite veux-tu que je réalise pour la prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer cette sainte cloche. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Ciao.